Et yop, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, messieurs, dames. On est de nouveau sur God of War Ragnarok, suite de notre aventure et de notre découverte du jeu. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, sur cet épisode en tout cas, et ce live, on va être sur de l'exploration encore. On ne va absolument pas continuer la quête principale, comme ça vous le savez dès maintenant si vous voulez aller ailleurs. Ou alors au prochain épisode tout simplement, parce que prochain épisode on va poursuivre notre quête principale, c'est sûr et certain. Maintenant qu'on a bien bossé Midgard, j'aimerais bien qu'on bosse Alfheim tout simplement, sachant que notre quête se trouve ici, donc on va se rendre au canyon. Let's go. Alors, la nouvelle lance de père, c'était une bague avant? Dropnir, oui. Forgée par les frères Uldr pour l'offrir à Odin. Comment ça marche? De temps en temps, Dropnir crée des copies d'elle-même. Les frères Uldr ont certainement pensé que si un anneau d'or était un bon présent, une infinité d'anneaux d'or leur vaudrait l'estime éternelle d'Odin. Mais ils se trompaient. Complètement. Complètement. Hop, j'ai fini ma petite loupe et on y retourne. Ok. Carte et on va pouvoir voir là où on en est. Sachant que dans le Strand, enfin, dans le Temple de la Lumière, ce qui est trop bien, c'est qu'on a tout eu ici. Donc ça c'est génial. Par contre, dans le Strand, on a deux choses qu'on n'a pas découvert. Peut-être trésors et autres. Plus un coffre d'énormes à faire. Et dans les canyons, on a tout eu. Par contre, sur la terre brûlée, on a quelque chose que nous n'avons pas découvert. Plus la pierre tombale à faire, mais ça ce sera pour plus tard. J'imagine que ce qui n'a pas été découvert. Ah non, secret des sables, on l'a vu. Ah mais est-ce que ce serait pas ça par hasard? Peut-être. À voir en tout cas. Les cavernes, on a fait. Et c'était la seule chose d'ailleurs ici, hein. Rien d'autre. Donc pour le moment, tout va bien. Mimir, je ne sais pas comment te dire ça, mais elle est où notre chère amie? Raconter des histoires, comme celle de son œil perdu. Que nous avons délivré. Les détails différaient de ce que tu m'as raconté. C'est toi que je crois, bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi il aurait menti sur ces choses-là. Il faut savoir une chose sur les menteurs, petit. Ils mentent. Ils le font par principe. Il n'y a rien de trop infime ou trop grand. Ils mentent autant qu'on voudra bien les croire. Et parfois au-delà, rien que pour prouver leur emprise sur la réalité. Tu dois toujours garder cela en tête. Qu'est-ce que c'est que ce menteur? Et encore là, elle est loin. Nous, il faut qu'on aille là-bas. Elfes blancs ont posé ce verrou? Pourquoi s'intéresse-t-il à ce qui se passe dans les terres brûlées? Quand nous étions à Vanaheim, Vidvir et Veila ont mentionné ce lieu. Ils ont dit qu'il était défendu et ont ensuite parlé d'une histoire secrète à découvrir. Une histoire secrète? Voilà une aventure pour toi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Une autre tempête approche. Oui, et nous savons désormais comment y mettre fin. Allons-y. Yarta. Ah, c'est juste ça. C'est juste le gouffre. Lorsque nous aurons libéré les deux Havgufa et calmé toutes les tempêtes, que se passera-t-il? Il faudra bien plus que le champ d'une paire de Havgufa pour soigner ces terres. Les marques du conflit font aujourd'hui partie intégrante du royaume. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alfheim. Enfin, que dit toujours ton père dans ces situations? Je n'entends jamais rien. Ainsi, tu ne seras jamais déçu. Et nous voici, sage parole.
Dites, au sable nous défendu. Devrions commencer à chercher un passage souterrain. Il y a aussi une pierre tombale ici. Ouais, non, c'est vraiment les Valkyries. C'est vraiment les Valkyries. Les rois déchus. Et là, on a quoi? Le sanctuaire elfique, c'est ici, du coup. Et on a une brèche d'Yggdrasil. 3 artefacts, 7 connaissances, 2 coffres légendaires, 2 coffres d'énormes, plein de choses que nous n'avons pas trouvées, et 4 corbeaux. Vous trouvez la bonne grotte? Qu'est-ce que c'est que ça? Là-haut. Bon, nous, on recherche une grotte. Là-bas, je vois un passage. Ici. Ah. Bon, on va essayer d'être aussi bon. On n'était pas sûr au début, mais je suis content qu'on soit venu. Cette tempête de sable a l'air... mauvaise. Que la première fois qu'on a exploré oui, cette zone. Même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Quand nous aurons libéré l'autre Afgoufa, elles chanteront en duo. Et où sommes-nous? Région secrète découverte. Ça ne ressemble pas à une grotte d'elfes, non? Des terriers. 2 coffres légendaires, 1 connaissance, 1 artefact. Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens, bâtie bien avant la création du puits de lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie. Rien ici? Oula. C'est étonnant. Ok, on a un coffre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait que cette substance n'est pas très bruyante. D'accord. Mimir, la dernière fois que nous sommes venus à Alfheim, cette substance recouvrait tout le royaume. Elle avait l'air contre nature, comme si elle aspirait la vie de toute chose, et même de la lumière. Ça, petit, c'est parce que tu n'es pas de ce royaume. Pour les elfes noirs, cette substance est plus naturelle que la parfaite colonne blanche qui trône au centre du puits. Vois comme certaines de ces surfaces sont anciennes, bien plus que le puits de lumière ou même que notre pauvre Afgoufa, d'ailleurs. Tu as raison. J'aime à croire que c'est toujours le cas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses en dessous. Ça a l'air épais. Ah. Je ne
Je sais pas pourquoi ça fonctionne, mais tant mieux. Calamité, flanc gauche. Est-ce que j'ai loupé des choses? Ouais, bien sûr que j'en ai loupé. On connaît, quand faut se ruer un petit peu, il y a toujours des petites choses cachées. Bon là, il y avait juste un coffre, mais c'est toujours ça de prix. Ça étourdit bien ces flèches. Ça fait des dégâts, ça étourdit. Du poison vient d'en haut. On garde à l'embaume lumineuse. Que font des elfes blancs ici? C'est pas le territoire des elfes noirs? Les territoires d'Alfheim changent souvent de main, semble-t-il. Bigvir a mentionné que ces ruines ont une importance historique aux yeux des elfes blancs. Je suppose qu'ils sont là pour les préserver des intrus. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une connaissance, je crois. Je doute que le cadavre en bas soit d'accord. Sacrifice. Nul sacrifice n'est vain. On a eu la connaissance, du coup, ouais, c'est là-dessus. Ça fonctionne bien. Donc la connaissance, c'est fait. Il nous reste deux coffres légendaires et un artefact. Ça, c'est d'où je viens. Pas de coffre légendaire ici, malgré le fight qu'on vient de faire. Très bien. Derrière ça. J'ai vraiment l'impression que c'est une peine perdue d'essayer de faire quelque chose là. J'ai même pas. J'ai même pas accès à ce qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de miroir.
Je pense fortement que c'est de l'autre côté que ça va se passer. Hein. Parce qu'en plus de là, on le voit pas. Non. Ouais, continuons, on verra. Oh, je croyais que c'était l'artefact. Il faut qu'on arrive à approcher sa grosse colonie. Bien vu. Continuons, d'accord? Pas d'autres possibilités. Lorsque les deux Avgoufa seront libres, est-ce que elles vont pouvoir en faire d'autres? Très certainement. Une vision douce amère lorsqu'on en connaît le prix. Le prix? Oui, la lumière des adultes décline lorsqu'elle l'allègue à leur... Une minute. Tu veux dire qu'elles doivent mourir pour avoir des enfants? Ce n'est pas une obligation, mais... Si elles leur transmettent de lumière, plus leur descendance a des chances de survivre. Oh. C'est... Wow. C'est ce que font les parents. Vraiment? Tous les parents sont censés mourir pour leurs enfants? C'est ce que moi je ferais. Rien d'autre? Est-ce que tu peux rebondir, toi? Ah, là-haut. Ici, là. C'est plat. Il faut que je monte. Oh. Oh. L'éliminer d'en haut, je pense. Mmh.
Bon, en tout cas, on a un coffre légendaire. Ça, c'est bien. Il nous en manque un et un artefact. Attaque chronique rapide. Ah, c'est l'explosion. Interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Augmente la puissance de l'attaque, réduit sa durée de répercussion, de récupération et inflige des dégâts d'étourdissement. Augmente davantage les dégâts d'étourdissement, appuie à nouveau sur R1 pour déclencher une explosion. Ça c'est pas mal parce que c'est rapide. Ça étourdit. Ouais, ça me tente bien. Ok, avançons. Je pense qu'on n'est pas trop mal ici là. J'ai pas vu ce qu'on aurait pu louper depuis le début, à part tout à l'heure lorsque la plante était derrière nous. Bon là il faut certainement que je sois en bas. Rien d'autre. Ah, elle est là. Bien, nous y sommes. Il est temps de la libérer. Cela n'a pas vraiment l'air de te réjouir, petit. Nous ne les libérons que pour les laisser mourir. Ce n'est pas juste. La vie l'est rare. Mais grâce à leur sacrifice, leurs enfants grandiront. Elles mourront satisfaites. Je n'y avais pas pensé comme ça. C'est juste que si j'étais leur enfant, je ne voudrais pas qu'elles fassent. Je sais, mon fils. Mais elles n'ont malheureusement pas le choix. J'en ai oublié un. Il y en a encore un plus loin. Voilà. Bien, ça s'est encore lâché. On ne pourra rien faire de plus qu'ici. Parfait. Retour à la surface. Légendaire est ici, et il nous manque quand même un artefact. Oh putain. Derrière toi, en garde.
On va récupérer notre vie tranquillou. Oh, la rune est là. Une pipe. Quoi ? Ça sert à se détendre. On brûle des herbes et on respire la fumée. Oh, je Let's peux go. Essayer ? Non, on a tout eu. Bloc murmurant. Attaque runique puissante, la frappe de Némé. Ça, je l'aimais bien, celle-ci. Celle-ci, elle me plaît bien. Elle est rapide, efficace. Je me suis dit, tiens, c'est par là où on est arrivé. Par contre, du coup, il y a vraiment un coffre qu'on n'a pas eu. Ou alors on l'a eu de l'autre côté, peut-être. Mais je crois qu'on l'a pas eu. Après, c'est pas un coffre qui fait partie du 100%. Le destin de ces créatures, ça me rappelle une histoire. Ah oui ? Autrefois, un roi ordonna à son forgeron de fabriquer une boîte qui puisse renfermer tous les maux de l'humanité. Comme aucun métal ne pouvait retenir un tel pouvoir, le forgeron utilisa la flamme. Je t'en prie, ce n'est pas la peine. Qu'y a-t-il ? Tu n'as pas besoin de... Écoute, c'est vrai que ces choses me rendent triste, mais... Ça ne veut pas dire que je vais mal, tu comprends ? Oui. Alors, que s'est-il passé avec le forgeron ? Sa fille était la clé pour déverrouiller la boîte. Il est mort en cherchant à la protéger de ceux qui voulaient l'ouvrir. La petite il boîte pas de Pandore. De faire ça pour moi. Je sais. Mais je le ferai. C'est pas par là qu'on pète ce truc là ? Parce que là, je peux. Ah ! J'allais dire là, je peux plus bouger. Mais si. Ah mais c'était... C'était ça qu'on avait vu ? Merde. Ça renvoie de l'autre côté. Ouais, il faut que je le mette là. C'est peut-être ça qu'on avait vu de loin, hein. Il semblerait que nous ayons abusé de l'hospitalité d'Alpha. Viens, Alpha ! Allez, il faut la libérer. Ah, je peux choisir avec quelle arme je veux mon pouvoir, c'est ouf. Ok. Bon, elle a un triangle.
Ça, c'est d'où l'on vient, à la base. Ok. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour le moment, rien du tout. Elle est là. Attention les yeux. Quoi que l'avenir me réserve, sache une chose, Atreus. Je ferai toujours ce que je pense être le mieux pour ton avenir. Même si de là comprennent qu'un parent n'a jamais vraiment le choix. Qu'est-ce qu'elle... Je te laisse répondre, mon frère. Va, laisse tomber. C'est génial. Oh, le chant des sables. Hein ? Je ne pensais pas pouvoir m'émouvoir aussi. C'est magnifique. Merci, père, pour ce que nous avons fait. Je sais bien que ça ne résoudra pas tout, mais j'ai l'impression que nous avons été utiles. Rien ne nous presse à partir, pas vrai? Qui sait quelles autres aventures nous réservent ces nouvelles terres brûlées? Quel kiff. Oh, incroyable. Incroyable. Putain. Trop bien, trop bien. Bon, c'est l'heure de la visite. Mimir, quand j'étais à Asgard, j'ai vu Odin faire quelque chose à de nouveaux Énériens. Ils avaient l'air sans vie jusqu'à ce qu'il leur jette un sort qui leur a rendu leur personnalité. Oui, il avait cette habitude, même quand ils étaient confinés au Valhalla. Je crois que leur rendre leurs souvenirs était une façon détournée pour lui de tromper la mort. Mais je ne serais pas surpris qu'avec ce semblant d'autonomie, il leur insuffle un sentiment de loyauté infime. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un artefact. Ah, un autre poème de Kvasir. Oh oui, un poème. Un poème paisible et mélancolique de Kvasir le sage. À la fois seul et ensemble, à la fois proche et distant, nos écharpes sont des liens, nos coopérations un art exécuté en silence. Nous parcourons le désert en planant comme l'oiseau et en dessinant dans le sable. C'est beau, c'est beau. Merci, Kvasir. Ah. Vu. Oh. Ah bah, ça par contre... Ça, j'étais pas prêt, ça. Oh.
Putain. Les sources, c'est le moment. Merde, je vais pas toucher. Frappe-le quand il brille. J'ai pas réussi à le frapper quand il brillait. Putain, vraiment ? Ok. Par contre, je n'ai aucune idée de où est l'autre. Où est l'autre ? À droite ! Attention ! Allez là. Ah, frappe-le quand il brille ! Oh mais achève-le, bordel. Excellent. Enchantement d'amulette Alfheim. Cette rune là elle est géniale parce que t'es obligé de la voir. Et j'ai cru entendre un corbeau mais lointain. Oui j'en ai entendu hein. Drôle d'endroit pour une statue d'elfe blanc, non? Sur d'anciennes ruines elfiques? Je suis d'accord. Ça c'est notre grotte. Oh, j'avais pas vu dans le ciel les petites méduses. Oh, c'est exceptionnel. Oh, quel jeu, putain. Mais, si je n'avais pas accidentellement enfermé l'âme de Fenrir dans mon couteau, il aurait rejoint la lumière d'Alfheim en mourant. Pas vrai? Ok. Exact. S'il avait été un dieu ou un humain mort au combat, une Valkyrie l'aurait emporté au Valhalla ou à Folkvanger. S'il avait été un dieu ou un humain mort hors du champ de bataille, il aurait été envoyé à Helheim. Mais Fenrir était un loup. Son âme aurait donc rejoint les autres, à Alpha. Comme celle de mère. Oui, comme celle de ta mère.
Qu'est-ce qu'on a là? C'est Frayeur? C'est bien lui. Waouh, c'est une grande statue. Étrange. Les runes sont éteintes. Pourquoi bâtir une statue géante de Frayeur? Les elfes avaient recommencé à se battre entre eux après son départ. Difficile à dire sans l'inscription, mais on dirait que les elfes blancs et noirs ont bâti ce lieu ensemble. Ce qui signifie que nous nous trouvons face aux fruits de leur première collaboration depuis des générations. On est loin de la paix éternelle. Mais peut-être est-ce là le but de ce monument? Être le symbole d'une paix qui pourrait advenir. Cette statue a peut-être survécu à l'absence de Frayeur, mais ce n'est pas le cas de leur trêve. Les monuments sont inutiles si leur message est ignoré. Ils n'auraient pas pu, lancer un sort ou quelque chose du genre, améliorer les choses pour de bon. Aucun sort ou enchantement n'aurait pu améliorer les choses. Ce qui importait, c'était la présence de Frayeur. Sa simple divinité, voilà ce qui a redonné vie à cette terre mourante. Puis il a dû choisir. Vanaheim, Wolfheim. Ça m'a l'air plutôt simple comme choix. Vanaheim est un foyer. N'est jamais facile de s'éloigner de ceux qui ont besoin de nous. Comment je vais chercher ça, moi? Déjà infusé de lumière. Tu as raison. En temps normal, nous devrions leur apporter la nôtre. Peut-être qu'insérer un cristal de l'autre côté nous aiderait à faire la lumière sur ce mystère. Je savais que tu dirais ça. Il faut que j'aille en dessous. Je peux pas sauter ? Merde. J'avais même pas écouté là, un passage là. Ok. Je sais pas si je peux sauter avec un cristal. Sont inutiles. Pourquoi veux-tu réparer ça? Il est longtemps resté caché. Aujourd'hui, il pourra peut-être leur rafraîchir la mémoire. Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire qu'un joli bout de marbre bien éclairé. Ouais, je peux pas.
coup on va poser celui-ci là et on va se servir de ce pont pour monter avec celui qui nous sert à arriver par le chemin initial, c'est-à-dire celui-ci. J'aurais dû le faire tout à l'heure, je voulais tester quand même au cas où. Que l'inscription est à nouveau lisible. Et on sait enfin à quoi sert ceci. La lumière des cristaux, elle se diffuse dans le sable. Regardez-moi ça. Freyer est parti, mais son présent subsiste. Ou devrais-je dire, sa présence. Invocation runique. Quoi ? Oh, c'est pour Freya. Elle invoque des lucioles. Trop bien, putain. Du coup, toi, tu reviens. On va te reposer de l'autre côté. Et on est bon. Ok. Donc, on a des petits trucs à trouver là-dedans. Mes traces de pas dans le sol et tout, c'est incroyable. Père, crois-tu qu'Alfheim connaîtra un jour à nouveau la paix ? On ne trouve pas facilement la paix après des siècles de conflits. Elle doit se construire. Alors, on a deux corbeaux d'Odin sur quatre. À son rythme, de l'intérieur, elle ne peut être forcée. Mère t'a pourtant aidé à trouver la paix, pas vrai ? Comment les elfes peuvent-ils changer si personne ne leur montre la voie ? Ta mère. Elle m'a fait confiance. Elle m'a offert une chance de trouver ma propre voie. Mais tu as raison, Atreus. C'est elle qui me guidait. Nos actes n'apporteront sans doute pas la paix à Alfheim. Mais en apaisant la tempête et en rapportant la lumière à ces terres, nous en avons peut-être planté les graines. Je n'aurais pas mieux dit. Oh, la fleur ? Faut-il que je déteigne sur toi, mon frère ? Let's go. C'est possible. On a la fleur d'Alfheim. Une aube prune, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hola, señor. Un autre troll endormi. Un petit cadeau des nains. D'après la stèle, il existe une relique capable de réveiller les trolls. Penses-tu que nous pourrions l'utiliser sur ce troll ? Attends, mais tu veux dire que c'est ça ? Réveille des sensations profondément enfouies en son porteur ? Oh putain. C'était ça. Ok. Cool. Waouh! Ok, 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 ok. Je gagne rien en vie, j'adore ça. Ah!
Je vois rien. Tiens la porte. Je change. J'ai pas envie de mourir maintenant, en vrai. Ok. J'étais pile poil devant son mouvement et j'ai absolument pas vu ce qu'il faisait. Heureusement que j'avais pas envie de mourir. Par contre, c'est une dinguerie! La relique de con là. Faut que je la remette du coup. C'est la poussière quand il retire son truc. J'ai pas le droit de voir sa vie. Comprends-toi, mon frère. Faut le faire. Pourquoi je vois pas sa vie? J'ai pas le droit. Tant pis, hein. Oh, bah ouais, il est mort. Full buguette, fin de combat. Cette relique tient toutes ses promesses. Ça me manquait d'affronter les trolls. Pas toi ? Pense à ramasser ce qu'ils ont laissé tomber. Je parie que les nains pourront en faire une armure. Oh. Enchantement d'amulette contre poison. Un enchantement protégeant son porteur de l'accumulation et des effets de poison. Ok. Trop marrant par contre du coup. Pour les reliques. C'est ouf. Et ça s'appelait pas ici. Et ça n'a servi à rien, j'ai l'impression. Oh. D'accord. Dis Mimir, tu as dit que l'âme était divisée en quatre parties. Ça veut dire qu'on peut en perdre une, mais pas les autres. Oui, forme, esprit, détermination et chance. Perds-en une et c'est tout ton être qui en souffre. Cela dit, il arrive que la chance seule suffise. Demande à ton père. Ma réussite ne tient pas à la chance.
C'est ce que disent tous les chanceux. Aoka. Ok. Il y a encore ce symbole là. Oula, j'ai des pertes de framerate ou j'ai des soucis de... Des fois je tourne ma cam et ça fait pas ce que je veux. C'est étonnant. Okay. Oh, je sais pas si ça touche ça. Ça touche pas. Ah ! Impossible. C'était illuminé. Allez, on voit. C'est pas juste. Vous avez pas le droit de me dire que c'est pas dedans, putain. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on a autour de ça? Parce qu'on sait même pas où est le coffre, du coup. Pour l'instant. Lingot Asgardien. Il y a de fortes chances que le coffre soit là-dedans, du coup. Ouais. J'aime quand on finit sur quelque chose comme ça. Ça me plaît bien. Pomme doudoune! Let's go, plus de vie! Oui! Pourquoi ma vie est un fondu de violet? C'est full buguette, non? Je comprends R. Ça y est, y'a plus. Allez, continuons. Bien, Atreus. Mon frère, je voulais te demander. J'avais entendu dire que les dieux de ton pays détenaient tous les pouvoirs qu'un homme peut imaginer. La foudre, les flammes, toute la panoplie. Moi aussi. Des années durant. Oh. Crois-tu pouvoir retrouver une partie de cette magie? Non. J'ai essayé. Rhea dit que la magie est liée à la terre. Quand la tienne est morte, tes pouvoirs vont sans doute partager son sort. Oh, c'est sans doute pour le mieux. Le passé, c'est le passé, n'est-ce pas ? Et t'as le travaillé. Encore une clé. Et, tôt ou tard, nous allons devoir trouver ce qu'elles ouvrent. Il n'y a pas de passage ici. Non. C'est sûrement quelque... Du coup, le passage à gauche s'ouvrira sûrement à la suite du... Du kill dans la pierre tombale, non? Parce que je pensais qu'il y aurait quelque chose là par derrière, mais non. Une pierre tombale. Un berserker nous y attend sûrement. Et du coup... Ah mais non, c'est là. Je suis aveugle, hein, comme un enculé. Oula. Bonjour. Sur ta gauche.
Je change de flèche. Ça, le but c'est que ça aille sur l'autre. J'en peux plus de cette connerie là. Par au-dessus. Donnez-moi une flèche de feu, j'en peux plus de vos merdes. Comprenez ce que je veux vous dire? J'en peux plus. C'est juste trop chiant. Et j'ai pas de truc à lancer, j'ai pas de bombe. Faire une bombe. Parce que là on sait que de toute manière il faut faire un rebond. Il faut que je pète ça là. Thank you.
Comment ça, ça touche même pas l'autre, frère? Fiche-moi ou quoi? Vous pouvez pas me filer une putain de bombe, sérieux, à la place d'un coffre de merde ici là? En fait, je comprends pas comment est-ce que je peux avoir la distance. Genre c'est vachement loin en vrai. Yo Genji, ça va et toi mon gars, la forme? Accessoire de l'âme. Prise d'Hyperion et appel d'Hyperion inflige plus de dégâts des tours d'Hyperion. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oh, j'ai tellement galéré. Il nous reste un coffre légendaire à trouver. On devrait ramener ces deux créatures à Vanaheim, au Midgard. Speki et Svana apprécieraient un peu de compagnie. Nous avons des niches. Ça c'est fait. Ils ont l'air heureux ici. Alfheim est leur terre. Tu as sans doute raison. Et ça c'est le début. Mais c'est tellement vide ici. C'est paisible. Et elles sont ensemble. C'est suffisant. Ça, ici c'est la mission qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Ça fait quelques fois qu'on passe devant, mais là on peut y aller. Hein. Bon, d'ailleurs, on a une rune, enfin un artefact plutôt. Hein? Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. Ouf.
sanctuaire elfique. Cherchez des indices sur l'histoire des peuples elfiques. Allez, go. Wow. Mimir, regarde tous ces livres. Tant de savoirs archivés. Je ne vois aucun elfe blanc. Pour l'instant. Peut-être sont-ils sortis pour la journée et que nous pouvons explorer à notre guise. Mmh. Ils sont sortis pour la journée, oui. Bien sûr. Regarde. 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 Tous les visiteurs doivent observer un silence absolu à l'intérieur de la bibliothèque, y compris dans le vestibule, les couloirs, la grande halle, la mezzanine et le cycle supérieur. Nul n'est autorisé à emporter un ouvrage hors de la bibliothèque pour quelque raison que ce soit. Tout contrevenant sera puni de mort. Toute transcription des documents conservés dans la bibliothèque est expressément interdite. Les dommages causés aux documents de la bibliothèque par négligence, couverture pliée, page froissée, annotation, etc., fût-elle accidentelle, ne sauraient être tolérés. Les victuailles, libations et liquides en tout genre sont interdits. Les visiteurs doivent se manifester auprès de l'archiviste en service avant de quitter la bibliothèque. Tout manquement à l'une de ces règles entraînera une sanction immédiate dont la nature sera déterminée par l'archiviste en question. En service même d'ailleurs. Mais bon. Les deux se valaient. Waouh ! C'est un... C'est un autre des schémas de Dvalin. Tu as parlé de sa conscience. Oui, il a compris que les As utiliseraient ses puissantes armes pour éliminer ses semblables. Alors il a arraché les pages de ses créations et les a dispersées. Qu'est-il devenu ? Hélas, le père de tout l'a su, et ça ne lui a pas beaucoup plu. Et on a eu une connaissance. Ce qui veut dire que là, il nous en manque deux connaissances et un artefact. Ces textes seuls ne suffiront pas à mettre fin à leur guerre. Mais en limiter l'accès ne peut servir que ceux qui souhaitent la faire durer. Pourquoi faire une chose pareille ? Nombreux sont ceux qui préfèrent la violence à la vérité. Carte au trésor, tour oublié. Montre-moi, montre-moi. Les personnes qui ont bâti cette tour ont donné tout ce qu'elles avaient pour l'achever. Où cela les a-t-elle menées ? Sous terre. J'ai failli en faire partie. Plus jamais je laisse ce trésor, en espérant qu'il reviendra à qui en a besoin et qu'il lui rappelle au passage sa propre valeur. Non. C'est sûrement dans la première partie, du coup. Je parle du désert. Ah, ça on aime les bijoux d'Yggdrasil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Journal du consul. Artefact. Ce livre est scellé. Mais il y a une inscription. Le consul. Bigvir a mentionné un exilé du même nom. Il aimerait certainement jeter un coup d'œil à ce texte. Quitter le sanctuaire. Ce sont des matériaux, bois de pierre. Et il n'y a absolument rien d'autre. Bon, le fight. Oh, bien sûr qu'il y a autre chose. Les elfes anciens aimaient bien écrire. Et ni les elfes blancs ni les elfes noirs n'ont vu tout ça. Les arbitres du savoir. Nous sommes les gardiens de la vérité, les arbitres du savoir. Nous sommes les protecteurs de ces archives de connaissances remontant à nos premiers écrits et que seuls les sables précèdent. Nous préservons nos enseignements elfiques et empêchons qu'ils parviennent à ceux qui ne pourraient entendre la sagesse que renferment ces murs. Il en va de notre devoir sacré. Il serait vain de se fier aux masses ignorantes, vain d'espérer qu'elles assimilent ces vérités. Elles ne possèdent pas la force intellectuelle d'absorber et d'accepter la nature clivante de certaines révélations.
Cette dissimulation n'implique nulle cruauté, nulle volonté de contrôle. Il s'agit simplement de miséricorde. Ne l'oubliez jamais. Ouais. Allez, fight. Non, pas de fight. Rien. Waouh. Ok. Ah. Ah, je crois bien que l'archiviste souhaite nous parler. Lata Flambok. Eh ben voilà. On dirait qu'elle veut récupérer ce journal. Non. Oh. 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 Ok, bonjour. Elle est pas contente, l'archiviste. Ah oui, non. Elle est vraiment pas contente. Elle est vraiment pas contente. Ah, j'ai pas eu l'autre. Ah oui, c'est obligatoire. J'ai pas eu le temps. Ça doit faire mal, mon frère. Ça doit faire mal, mon frère. Ouais, ça c'était sûr. Merde. Quoi? Dis donc. Waouh. Ok. Très bien, madame. Ouf. Faut que je comprenne les timings. Utilise mon bouclier, mon frère. Ah mais là c'est trop tard. Trop tôt.
Oh, j'ai pas eu le temps. C'est instantané, hein. Waouh. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, ce fight. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok, bro. Utilise ton bouclier, mon frère. J'ai pas eu le temps. Putain. Tire pas. Elle pense les protéger en leur dissimulant tout ce savoir. Notre allié veut lire ce journal. Nous emportons le livre. C'est tout? Ok. Attention, on me tue pas par derrière, hein. Dire que ça ne s'est pas terminé comme je l'attendais. Ah, moi non plus. La dernière fois que nous étions là, quand le roi des elfes noirs nous a attaqués, les conséquences ont été désastreuses pour son peuple. Nous ne reproduirons pas cette erreur. Waouh. Ok. Sanctuaire elfique terminé. Ah, je me suis dit, on va encore lui éclater la gueule. Et non. C'est fini plus gentiment. Cela me taraude depuis que nous avons trouvé ces deux-là, mais j'ai ma petite idée. Peut-être que notre aimable chef de la Résistance a amené les Gulons à Alfheim il y a de cela un siècle. D'autres cadeaux pour les elfes noirs? Oui, logique. La vigueur d'Alfheim. Oh, voir ce qui se trame ici. Ah bah bien accueilli. Ok.
J'adore taper sur rien. Et donc du coup non, c'était cette tour là où il y avait le trésor. Wow, sacrée porte. Ouais c'est ça, tour oubliée. Ok. Ça c'est le raccourci. Enchantement d'amulette, vertu d'Alfheim. Attends mais on en a combien des Alfheim là? On en a 3. Les esquives in extremis renforcent l'attaque suivante de Kratos en fonction de sa force. Yes! Un insigne. Gravé par frayeur, me semble-t-il. Un porte-bonheur, peut-être, ou un accessoire. Dis-moi que c'est le dragon de merde. Je pense que c'était la dernière offrande. Non. Nous pourrions en tirer une belle somme auprès de nos amis. Ils attendent vraiment de moi que je fasse le fight parfait là. Oh j'y crois pas, j'allais reculer en tout, en plus. Ça n'a pas reculé. J'ai vraiment esquivé en arrière, mais trop tard. Parce que j'avais fini d'attaquer, j'étais bien. C'est dommage. On y était presque. Alors qu'on n'avait pas un pet de vie. Ouais, ça c'est pour vous deux. Hey, toi t'es mignon, mais tu meurs. Vous êtes nuls, mais à plusieurs, vous êtes chiants. Donc on n'a pas eu de mini, de baby Niozog ici. Ok. Bon par contre on est bien parce qu'on a... Oh putain comment que ça s'est bien, bien mis là. Il nous manque un corbeau. La pierre tombale c'est normal. La porte du désert on l'a pas trouvée. Et il nous manque un coffre d'énorme. Est-ce que ce serait pas ça la porte du désert? Il y a une chose en colère là-bas. Oh waouh. C'est un dragon. Oh. Les écailles, regarde. Trop stylé mec. Lequel ?
Oh, il m'a eu. C'est vraiment de la merde. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est vraiment de la merde, la fureur. Lorsque ça fait ce genre d'attaque là. C'est chiant que ça fasse ça. Il y a une chose en colère là-bas. C'est pas plus que toi. C'est incroyable. Emprisonner un dragon entre l'admiration et l'effroi, mon cœur balance. Dans tous les cas, c'est terminé. Nouvelle entrée de connaissances. Pense de Jar. Ce dragon se trouvait dans le désert d'Alfheim, caché derrière une porte. Je m'attendais à découvrir un trésor, une nouvelle région à explorer, mais il n'y avait que cette créature. Si je n'avais pas été occupé à l'empêcher de me dévorer, j'aurais pu trouver belles les marques bleutées qui l'ornaient son crâne. Ressources, baguette magique brisée du messager personnel décédé de Feyreur. Griffe de dragon. Ressources également. Permet de fabriquer l'armure en écailles de dragon. Oh oh. Ok bro. Petite armure de dragon là. Du coup on a eu la porte du désert. Il nous manque la pierre tombale, il nous manque un corbeau et un coffre d'énorme. Enseigner aux elfes noirs comment apprendre aux gulons à tirer un traîneau. Il leur a montré comment leur apprendre à tirer une charrue. Après tout, c'est le dieu des récoltes. Ils ont dû trouver une nouvelle utilité aux créatures quand Freyer est parti et que leurs terres sont devenues stériles. Glisser dans une tempête de sable paraît plus simple que d'y voler. Où est-ce que peut être caché ce coffre? Ouais, c'est deux choses qui sont différentes. Peut-être par là. Ah!
Ah non, c'est ça qu'il y a ici. Ouais, ici on y est déjà allé du coup. Simple curiosité, pourquoi n'aimes-tu pas les énigmes ? Elles sont futiles. Elles encouragent la pensée latérale. Tiens, il y a trois portes. La première cache une fosse hérissée de pieux, la seconde un dragon et la dernière deux lions privés de nourriture depuis des semaines. Quelle porte ? La première. Il est facile d'éviter des pieux. Ah, tu devrais plutôt ouvrir la troisième. Après des semaines sans manger, les lions sont forcément morts, non ? J'aime cette énigme. Non, c'est pas ça qui nous rapproche du coffre des Nornes, là. Messieurs. Encore moins d'un corbeau. De louper et un corbeau. Enfin, le corbeau, why not? Mais le coffre, on est énorme pourtant. Père, on pourrait fabriquer une lyre. L'instrument. Pourquoi? On chasse, on s'entraîne. Ce sont les deux seules distractions que tu t'autorises. Ce ne sont pas des distractions. Oh, bien sûr que non. J'aimerais juste savoir jouer de la musique. Tu pourrais m'apprendre et. Non, c'est stupide. Oublie ça. Pas monter derrière là. Non. Où est-ce que ça peut être? Un corbeau, un coffre des Nornes. Il était pas dans la bibliothèque. Oh! On n'avait pas vu ça. Dis-moi que le corbeau est là parce que le coffre est là. Ce sont des tombes d'elfes blancs. Il y en a tellement. La vie des leurs fut le prix de leur secret. Oh oui. C'est sévère. C'est leur méthode. Mais peut-être qu'avec le journal du consul, Big Vir leur en enseignera d'autres. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'arrive à taper sur lui. Hein? Ah ouais. Non, c'était pas ce qui était prévu ça. Ah
Putain, mais il peut pas bien se mettre, l'autre connard. Mais il y a un pouvoir que j'ai pas encore. C'est pas possible. Je vais avoir un pouvoir pour avoir des flèches de feu. À un moment donné, il faut forcer le destin. Ça ne fait rien. Et je peux pas aller à gauche ou à droite là. J'ai rien du tout. Comment je fais pour aller ailleurs ? Parce que là, il m'est impossible de d'aller les chercher, hein. Faut que je le fasse à la flèche. En train de me dire que je peux le faire à la flèche ? Et que je me fais chier depuis le début là à faire ça avec ma hache de con là ? Je savais pas. Aucun. Putain. Bon, alors là par contre. Là y a pas de feu. Hein. Est-ce que ça tape ça? Ah mais ça va pas jusqu'au bout.
Aoka. Putain, j'étais bien là. Je comprends pas pourquoi des fois ça fonctionne et des fois non. Vraiment, c'est un peu... J'ai quand même vraiment du mal à comprendre. Par contre, ce con là-haut là. Toi, je vois pas comment t'avoir. Je préfère te le dire. Là, je sèche. Je sèche. Je vais aux toilettes, j'arrive tout de suite. Et heureux. Heureux, messieurs, dames. Tiens le temps. Ça peut vraiment pas passer comme ça, là. Ça m'en enlève une. Ah, c'est que 3 bulles, ça se trouve. Oh, ça se trouve, c'est que 3 bulles.
Ok, j'ai peut-être capté. Ça se trouve, c'est 3 bulles max. Okay. Je sais pas si ça touche. Non. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Attends, mais tu es en train de me dire que du coup, je peux faire ça? Je peux faire une énorme et une moyenne là-bas. Ok. Et péter tout. Attends, t'es en train de me dire que genre ça n'a pas touché. Ok, peut-être. Non, ça touche vraiment pas. Ok. Putain. Pourquoi ça touche pas l'autre, frère? Okay. Je comprends pas pourquoi ça touche pas celle-là. Qu'elles sont pas reliées en fait. C'est ce caillou de connard qui m'emmerde là, non? Un petit peu, je crois. Et, sauf que là, ça ne prend pas le feu. C'est impossible que. Ça se touche là. C'est impossible. Et voilà, ça se touche pas. Et même là, ça se touche pas. Oh si. Oh putain. C'est insupportable, c'est. Ah mais c'est avec ça que je vais là. C'est insupportable ces énigmes, vraiment. Okay. Comment se touche pas là? Alors que j'ai touché juste avant.
Ça touche! Je veux plus jamais en entendre parler. Bon, par contre, j'ai compris un truc hyper important, c'est qu'on... En gros, c'est maximum 3 bulles, peu importe la taille. Oh la vache, j'en peux plus. Oh oui, de la rage, la rage. Oh, trop bien, on a terminé. Terminé les sables défendus de merde. Oh putain de connerie de con. Bon, par contre, ici... On a quelque chose que nous n'avons pas découvert. Qui est sûrement... Ah non, trésor enfoui, 1 sur 1. Donc, il y a juste un truc qu'on n'a pas découvert, mais quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Connaissance, artefact... Ça, on a. 9 royaumes en fleurs, ça compte pas. Trésor, corbeau, brèche. Y'a pas de brèche. Y'a pas de brèche d'Yggdrasil ici. Champ des sables. Sanctuaire elfique, cadeau de frayeur. Ça, c'est des missions qui étaient ici. Porte du désert. Y'a pas de brèche. Ok. Peut-être une brèche pour le coup. Ou sinon autre chose plus tard. Ce qui est également possible. En tout cas, je suis fier de voir que nous sommes à 92% d'Alfheim, sachant que dans ces 8% qui nous restent, il nous reste les deux tombes et quelque chose que nous n'avons pas découvert. C'est tout. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, on se casse d'ici, les sables défendus, c'est 100% sans la tombe. Donc du 100%. Depuis que j'ai senti le rame de tir, ça m'obsède. Il a suscité chez moi quelques envies culinaires. Boudin noir, panse de brebis, navet, le pain au baies de mer. Et toi, mon frère, pour quel aliment pré-Fimbulwetter serais-tu prêt à tuer? Les olives. C'est quoi ça, une olive? Une olive. On va se faire un petit tour de la zone, voir s'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux. Attends, les voit de près les méduses là. C'est génial. Y a pas un nouveau truc là-haut. Père, j'ai une question à propos de tes lames. Celles qui viennent de ton pays. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu t'en es jamais débarrassé? Je vois bien comment tu les regardes. Rien de nouveau. Comme si... Je sais pas. Comme si tu les haïssais. Même les choses qu'on hait peuvent nous servir. De plus, j'ai essayé... Mais elles reviennent. Putain, je croyais que c'était une brèche qu'on voyait là en face. Mais non, c'est juste un truc enflammé, putain.
Là, c'est Monsieur Cimetière. Pas de brèche. Une pierre tombale de berserker. Préparons-nous à un autre combat. Peut-être qu'il faut qu'on aille voir le pote là. Il est où le pote? Qui c'est qui voulait Attendez. Ça, c'est les fleurs. Les âmes de Berserker. Les Lindworms. Les brèches de Hell. Les puits de Drogar. Il nous en reste un. Les corbeaux et ouvrir des corbeaux. Travaux. C'est Anxieux qui nous demande de faire ça. Page manquante du grimoire. C'est les trolls. Fabriquer la tassette de Steinbjorn. À l'aide des pierres de sommeil. Ça c'est Lunda. C'est vrai qu'on les a pas trouvés, les brassards perdus de Lunda. Enfin, si on a trouvé qu'un truc, je crois, non? On sait même pas qui c'est Lunda. Ça c'est des... c'est pas ce qu'on veut ça. Mine de richesse. Artefact. Ils ont dit retournez voir machin. Ah oui, Lunda c'est la meuf à Vanheim. Je crois. C'est sûr, c'est ça. Je comprends pas le aller en parler à je ne sais qui. Bon, on se casse. Parce que peut-être que lui nous ouvrira un truc ici, j'en sais rien. Quand est-ce que je serai comme toi? Comment cela? Eh bien, en posant. Mais en plus, on doit aller voir les objectifs qu'on a accomplis de merde là, là. Porte du désert. Peut-être que l'un des nains parviendra à l'ouvrir sans endommager le contenu. Sans en endommager, pardon. Quand est-ce que j'aurai des... Donc j'apporte ça à un nain, du coup. C'est beaucoup de travail. Mais Baldur était vraiment fort et il n'avait pas de muscles. Ma force ne vient pas de mon corps, mais les deux sont le fruit de la discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu possèdes déjà la force d'un dieu, petit. Mais que si tu souhaites en avoir le physique, tu ferais mieux de commencer à soulever et reposer des objets lourds. Ah. Ouais, l'accès mystique est si loin que ça? Ah ouais, putain. J'aurais mieux fait d'aller entre les deux. Bien. Quelle est notre prochaine destination?
Jotunheim, orbe mystérieux. Creuser. Sur le dos d'un. En gros, on va aller à la maison. Et on va se terminer là-dessus. On continuera l'histoire principale demain en allant à Vanaheim. Est-ce qu'on revoit les gosses en bas ? Ah oui, on les voit. Excellent. Bon les nains, j'ai trouvé des trucs. J'apporte des pierres. Cette odeur... C'est du troll. Et moi qui pensais que tu les avais abattus jusqu'au dernier avant Fimbulwetter. Objets spéciaux. Reliques. Oh. Frapper le sol pour générer une explosion de poison Seidre. Oula putain, y a un souci dans l'écriture. Projeter 3 ondes de lumière qui inflige des dégâts renforcés aux ennemis affectés par la magie sonique. Ça, on peut le faire, ça, à part de la thune. L'héritage de Dain, aussi toxique que l'homme lui-même. Le flot de l'angoisse, nom d'une pipe. Amulette. Hop, nouvel emplacement. Et on peut fabriquer une nouvelle armure, l'armure de Steinbjorn. Waouh. Quand il subit des dégâts conséquents, les attaques de Kratos restaurent une partie de la santé perdue pendant un instant. Pfff, oh, l'armure de tank, frère. 123 de def. C'est juste de la défense. Ah, visuellement, elle... Oh, je suis dégoûté. Visuellement, elle bouge pas. Pierre de sommeil. 1 sur 2. Hein. L'angoisse gardien. Donc je peux même pas la faire. Ah ça je peux par contre. Chance modérée. De déstabiliser les ennemis. Et réfléchir des dégâts d'étourdissement lorsque vous subissez des dégâts. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment une armure de gros tanky quoi. Et j'arrive pas à trouver une armure qui me plaît bien actuellement. Parce que pour le moment, on a l'armure de sagesse de Mani qui allonge la durée de tous les états infligés aux ennemis et qui augmente les dégâts infligés par les compétences extinction de flamme et sublimation du givre. C'est des trucs qu'on utilise quand même pas très souvent. Mais... J'arrive pas à savoir quoi mettre. Et ça, ça a l'air fort quand même. Chance faible d'obtenir brume de guérison à chaque coup réussi. On a un peu moins de force, mais on a de la chance et de la défense. Et celle-ci, elle me plaît bien aussi. On n'a plus de def. A chaque coup, chance modérée d'augmenter force, pouvoir unique et chance de l'une des armes de Kratos. Celle-ci, elle me plaît de fou. Ah, et visuellement, elle change pas non plus. En même temps, elle est magnifique.
Sans se modérer à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique, de restaurer immédiatement soit 70% de son renouvellement. Les attaques à main nue, les parades et les blocages ont une chance élevée d'infliger des dégâts supplémentaires et d'empoisonner les ennemis, réduisant leur niveau de puissance. Et c'est... Ah ouais, ça c'est l'armure full main nue quoi. Jamais d'armes. Et du coup, quand ils sont empoisonnés, bam! Les attaques au corps à corps portées à des ennemis empoisonnés infligent plus de dégâts. Fort ça aussi, hein? C'est fort. Les blocages et parades ont une chance modérée de renforcer l'attaque suivante de Kratos pour produire une explosion qui inflige des dégâts. Oh, elle est magnifique comme ça. Parce que ça, c'est celle de base. Et déjà en argent, elle est stylée. Alors, pardon, mais. Mais là, comme ça, elle a encore plus de gueule, hein. Et c'est marrant parce qu'elle monte à peu près toutes les stats de la même manière. soixante-huit et 48 partout. C'est l'armure bien, enfin bien partout, très bien nulle part quoi. Les coups finaux des combos ont une chance élevée d'augmenter temporairement la force et la résistance. Ouais. Et ça, on n'y arrive pas souvent aux coups finaux. Saisir un ennemi étourdi confère un regain de santé. Celle-ci, en vrai, hein. En vrai, celle-ci, elle est forte. Désolé, hein, mais celle-ci elle est incroyable. En plus, on pourrait pas mal l'améliorer. On pourrait la mettre niveau 7. Celle-ci elle me plaît trop. Alors, je parle pas du visuel. Hein. Je m'en fous du visuel. Les stats, force, défense, vitalité. C'est en fait, elle est faite pour les groupes d'ennemis. Par contre, c'est trop bien parce que tu peux tout améliorer niveau 9. Et donc tout est fait pour que tu puisses faire le, enfin avoir le gameplay que tu veux avoir. Et ça c'est celle qu'on a. Non, même pas. C'est celle-là qu'on a. Non, même pas. On l'a pas non plus celle-ci. Elle est juste améliorable. Putain, par contre elles ont de la gueule hein. Une fois qu'elles sont montées hein. Chance modérée d'obtenir une grâce runique à chaque esquive in extremis. 7. Celle-ci, elle est bien aussi. Les dégâts au corps à corps de Kratos augmentent en fonction de sa rage. Les dégâts subis qui seraient normalement mortels sont absorbés par la rage. Je l'avais oublié celle-là. Celle qui est bien rouge là. Elle est forte aussi celle-ci. Force, défense, vitalité. Et on pourrait la mettre niveau quoi? Niveau 8? Non. Non, on n'aurait pas assez de lingots Asgardien. Puis il faut aussi penser qu'il y a le reste à faire avec. Hein. Donc ce sera jamais ça. Armure elle est niveau 5. Attaque runique ou de relique. Et réussir renforce progressivement les dégâts au corps à corps et à distance infligés par Kratos par tranche de 15%. Oh, j'avais pas vu celle-ci améliorée. Oh! Comment elle a l'air trop belle. Ah oui, non mais pardon. Pardon.
Oh. Ah là, ça bouge pas par contre. Ah non, et pardon, pardon, pardon. J'avais pas vu ça. Elle a l'air magnifique. Elle a l'air magnifique. Non, mais en fait, je pense que si on veut quelque chose de simple, on prend ça et on l'améliore. Parce qu'en fait, là, on prend cher aussi parce qu'on n'améliore rien. Et ça se ressent. On commence à être assez faible quand même. Après, on perd beaucoup de dégâts runiques avec cette armure-là, mais... En même temps, à ch chaque fois qu'on saisit un ennemi étourdi, on confère un regain de santé. Moi, j'adore jouer avec l'étourdissement. Go, hein. Ça devrait garder ton corps en un seul Lustrage, morceau. trophée obtenu. Améliorer un élément d'armure. Ah, vous voyez, c'est la première fois qu'on améliore. C'est une Tout dinguerie. parfait. La vache, je suis beau ou pas? On va la remettre niveau 5. Parce que c'était le niveau Avec basique ça, t'auras pas de nos une autres seule armures. égratignure. Mais on va tout mettre niveau 5. C'est l'armure de quoi? De Nidavellir, exact. Dommage qu'on puisse pas tout faire d'un coup. On va perdre Avec en dégâts, ça, hein, t'auras pas mais... une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ouais, c'est niveau 6 où on commence à rentrer dans les lingots asgardiens. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. On a capté, on a capté, on a capté, bro. Parce que j'en ai 10, ça m'en Avec bouffe ça, 1. t'auras pas une seule égratignure. Ça fait 3, je peux améliorer tout niveau 7. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Normalement. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ouais, c'est ça. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ouais, plus c'est niveau 7 qu'elle prend sa gueule finale. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Oh putain, non, niveau 7, il m'en faut 4. Oh les connards. Ça en prenait plus. Bon, c'est pas grave, elle est niveau 6. Et 7. Et déjà elle est trop belle. Putain, du coup j'ai pas le plastron dans les bonnes couleurs. Fais chier. Mais déjà elle est trop belle. Ah, je peux vendre le journal du consul. Peut-on ouvrir ce verrou sans endommager le livre? Ah. Les elfes du camp de Freyr aimeraient le lire. Il n'y a pas un seul verrou qui résiste à Brock. Je vais t'ouvrir ça bien comme il faut. Oh, Lunda te passe le bonjour pendant que j'y pense. C'est tout? Tu me l'ordonnes pas? Ok. Bon, là, il n'y a rien à améliorer. Je vais pas commencer à améliorer mes poignets et tout. Là, je voulais juste avoir une armure et un peu plus d'équipement. Par contre, non, j'ai pas fini. Je voulais comparer ce qu'on avait et ce qu'on a. Elle est où? C'était Mani. Là, on perd 18-35. Non, niveau actuel. Niveau 5, oui, mais non, elle est de niveau 6. On perd 18-35 et on les gagne ailleurs, dans runes et renouvellement. D'accord. Et là? Là, c'est niveau 7, là.
On gagne en force, en rune. Ouais, c'est ça. J'ai troc une armure un peu attaque pour une armure un peu défense. Défense vie. Un peu tonk. Mais au moins ça va nous permettre de booster un peu. Et nous, il nous faut quoi, putain merde? Il nous faut de l'acier nain, non, c'est ça? Ah non. Il me faut du lingot asgardien. Il y a des ressources qu'on n'a jamais vues. Bon, braise ardente, je sais à peu près où c'est. Ça va être à Muspelheim. Alors, un cristal purifié. Jamais entendu parler. Hein. Cuir noué. Elle est horrible, je trouve, cette armure. Mais... braise ardente, cuir noué. Lingot asgardien. Celle-ci, par contre, elle est très cool. Ça doit tellement bien aller avec les armes et tout, avec le gold et tout. Braise ardente, cuir noué, lingot asgardien. Ouais, c'est la même chose pour chaque armure. Ils ont fait un vrai. Oh! Putain, mais j'avais pas vu que c'était les deux mêmes. Juste la couleur qui change. Celle-ci elle est dégueulasse. Celle-ci elle change pas. Par contre celle-ci, pardon, pardon. Pardon. Je suis désolé, hein, pardon, mais wow. Oh la dingue. Coucou mon cuirt. Ça va ou quoi mec? La dingue. Celle-ci est jolie, mais j'aime moins les couleurs. Oui, ça va. Ça va, ça va. T'es bourré, bro? Oh, celle-ci, elle est pas très jolie. Ouais, non. Bourré avec Rock. Oh, oui, j'imagine bien que t'es avec Rock, oui. J'imagine bien. Bon. Putain, moi, je m'arrête là, moi. Je m'arrête là. Salut, fils. Ah, j'ai des XP. Ah, mais je vais pas te montrer. Donc je le ferai plus tard. Et vous êtes... il a une console, Pilo? Il a une PS4, ce con? Ah non, il a pas de PS4. Il a qu'un PC. D'accord. Parce que moi, je m'arrête là, du coup. On ne va pas s'entendre. Fin de la discussion. De toute façon, est-ce que je vous emmerde pas un petit peu, en fait? Voire beaucoup. Vous voulez pas aller faire chier David qui est sur Call of Duty Modern Warfare? Bref, bon messieurs dames, on s'arrête là. On a repris une petite armure du début parce qu'elle nous va comme un gant. Mais c'est surtout parce qu'elle... elle convient bien mieux à mon style de jeu que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et on verra si vraiment c'est la merde ou pas. Mais bon, en tout cas, on a fait ce choix, on verra bien. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Les bisous, mon couette, moi aussi, je t'aime, sale pouette.